Et salut à tous, c'est H Dynasty, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur e-racing en BM 12.0 challenge. Donc j'avais fait une course évidemment sur Zolder, si vous l'avez pas vu, je vous la mets là ici au-dessus, que j'avais fini 3e et j'ai vraiment adoré ce mode de jeu. Donc j'ai finalement arrêté le championnat de F1 parce que ça devenait complètement n'importe quoi. Car je perdais énormément de SR et de l'IR, donc j'ai complètement arrêté parce que j'allais perdre ma licence, j'allais tout perdre, franchement, un truc de malade. Donc je vous montre ce qui s'est passé à la dernière course que j'ai fait en F1, et franchement, c'est un vrai massacre, voilà, je vous laisse découvrir vous-même. C'est bon. Il est à droite. Donc voilà pourquoi j'arrête finalement ce mode de jeu. Complètement ouf, c'est le bordel, c'est le foutoir, enfin voilà, des gens achètent les F1 et ne savent même pas rouler en Mazda, bref, voilà, on va pas en discuter plus que ça. Donc j'ai tout simplement arrêté ce championnat-là pour venir au championnat de 12.0 challenge, car franchement, je m'amuse vraiment bien et les gens, franchement, ils sont très respectueux et là, on voit qu'il y a de la conduite quand même un peu plus sérieuse. Donc du coup, aujourd'hui, on va rouler sur le circuit de Spa-Francorchamps avec la BM M4 GT4, allez, c'est parti. Et voilà les amis, nous sommes sur le circuit de Spa-Francorchamps avec la BM M4 GT4. On est placé 4e en qualification, on a fait vraiment une très belle qualif je trouve. Non mais là on va voir dans la course si on sait maintenir cette position, ce serait vraiment très très bien. Finir la course, c'est très important. Allez, on va allumer la voiture. Allez, c'est parti pour le tour de formation. Et je corrige mon erreur, on n'est pas P4, on est P3. Allez, c'est parti. Il est à gauche. Voiture au ralenti devant. C'est bon à gauche. Va à gauche. J'ai vachement mal pris mon Dillon. Il est à droite. Maintenant à gauche. Toujours là. C'est bon. Voiture au ralenti devant. Va à droite. Il est à gauche. C'est bon. Il est à gauche. Toujours là, c'est allé. C'est bon à gauche. Reste à droite. Toujours là. C'est bon. Ah, fais chier, ma voiture, elle a glissé un peu, là. La prochaine voiture, c'est le leader. Reste concentré, tu es deuxième.
Il est à gauche. Reste à droite. Vas-y, hein. Reste à droite. C'est bon. Et hop, tu t'es ramassé un solo dans le sous sur certains. J'ai une triplée là derrière Wans, t'as abusé.
5 tours de carburant restants. J'ai failli perdre l'arrière là, j'ai traîné sur le vibreur. Un truc ne jamais faire. Allez, on est à moins de 2 secondes du leader. Tant pis. Drapeau blanc, c'est le dernier tour. Je me suis un peu loupé là dans la chicane. Ah, je fais la même chose que lui. Jamais suivre le cul d'une bagnole. Ben voilà.
Dommage, dommage. Et voilà les amis, cette course est terminée. On a fini sur le podium, 3ème position. C'est pas mal. Après, je l'ai entre la gorge parce que j'étais P2 et c'était celui qui avait plus de couilles dans le Rédillon. Et il en avait des plus grosses que moi. On avait une très belle place, donc je me suis dit, je préfère relâcher, me retrouver 3ème. Après, j'avais peur que celui derrière attaquait pour m'en retrouver 4ème. Mais ça va, j'ai su maintenir. Et on a su garder cette 3ème position que je suis très fier de l'avoir tenue. En tout cas, ça a été une très belle course. Il y a eu quand même quelques bagarres. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai pris un max de plaisir. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce sur cette vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur différents réseaux sociaux. Tout est dans la description. Et nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures de Sim Racing. Allez, ciao, ciao!